après l'ouverture de Semiramis. Voici l'air du premier acte chanté par Maria Callas. Thank you.
un air de Sémiramis de Rossini à l'acte 1, et on va rester avec Rossini, mais on va passer de la Reine de Babylone à Cendrillon, de l'opéra seria à l'opéra bouffe. Georges Prêtre, dont on déplore ce jour la disparition sur France Musique, dirige toujours son ami, donc en 1963, au Théâtre des Champs-Élysées, à l'occasion même du 50e anniversaire du Théâtre de l'Avenue Montaigne. Voici à présent récitatif et air final extrait de la Cenerentola, toujours de Rossini.
Un extrait de la Cenerentola de Rossini par Maria Callas, qui en 1963 avait chanté pour la première fois sur les planches du théâtre d'Auguste Perret, avenue Montaigne à Paris. Son complice Georges Prêtre dirige l'orchestre philharmonique de la radio-télévision française. Alors afin qu'elle reprenne son souffle après ses cascades, il va diriger l'ouverture de l'opéra d'Hector Berlioz, Benvenuto Cellini, le sculpteur et orfèvre florentin du XVIe siècle. Georges Prêtre, qui est à l'honneur ce jour sur notre antenne, disparu hier, avait un penchant tout particulier pour ce répertoire français, comme d'ailleurs va le montrer la suite de ce concert mythique et encore inédit. Maria Callas chante à présent deux airs de Massenet. D'abord, un extrait de Manon, « Adieu, notre petite table », puis l'air de la lettre empruntée à Werther. Applaudissements passionnés ici pour Maria Callas qui disait volontiers « Oui, en Italie, on m'appelait souvent la voix triste et je dois reconnaître que j'aime beaucoup les mélodies tristes. Ou peut-être, est-ce que c'est ma nature ? Je ne sais pas. » Le fait est que la diva se fait souvent poignante et Georges Prêtre en était même parfois tellement ébloui qu'il oubliait de faire partir l'orchestre. En tout cas, ce n'est pas le cas. Ici, en 1963, au Théâtre des Champs-Élysées où il dirige l'Orchestre philharmonique de la radio-télévision française.
France Musique, 18h, bientôt 55 minutes. Alors à ceux qui nous rejoindraient, eh bien je précise que vous retrouverez Alex Dutil et Nathalie Piolet dès demain, fidèles au poste. Et ce soir, exceptionnellement, l'antenne est bouleversée en l'honneur du chef Georges Prêtre, disparu hier, pour souffler les 50 bougies en 1963 de son théâtre. Eh bien, les Champs-Élysées invitaient deux complices charismatiques, deux complices intuitifs, des fauves d'une certaine façon, Maria Callas et Georges Prêtre, qu'on entendait ici à l'instant. Ils viennent d'interpréter devant un public, vous l'entendez, fasciné, deux extraits signés Jules Massenet, successivement « Adieu, notre petite table », extrait de Manon, et puis « L'air de la lettre », extrait de Werther. Manon, on y reviendra d'ailleurs tout à l'heure, avec l'intermezzo signé Puccini cette fois. Mais en attendant, eh bien, Maria Callas va aller se reposer quelques minutes, pendant que l'infatigable chef Georges Prêtre interprète l'ouverture de l'opéra en cinq actes de Verdi, « Les Vêpres siciliennes ». Abigail est en colère. Tout à l'heure, je rapportais des propos de Maria Callas où elle disait aimer les airs tristes, mais vous l'entendez, elle excellait aussi dans la fureur. Ici, un extrait de Nabucco de Verdi, 19h14 sur France Musique, programmation spéciale Georges Prêtre, complice et ami de la diva. Il nous a quittés hier à l'âge de 92 ans. Depuis ce matin, nous le célébrons. Je vous invite d'ailleurs à vous rendre sur le site de France Musique qui fourmille d'informations. À ce propos, on va poursuivre l'écoute de ce concert. Concert avec un public fasciné, admiratif devant ce côté brûlant de ce couple Callas-Georges Prêtre. Concert du 5 juin 1963 au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Le chef, face aux forces de l'Orchestre Philharmonique de la RTF, va donner deux intermezzi et je laisse la présentatrice de l'époque vous les révéler. Vous allez entendre, interprété par Maria Callas, deux airs de Puccini. D'abord l'air de Musette, extrait de la Bohème. Ensuite, de Madame Butterfly, Con Onor More. Thank you.
public en folie, vous l'entendez depuis 18h. Nous écoutons ce concert encore inédit dans son intégralité en 1963. Georges Prêtre, l'Orchestre Philharmonique de la RTF et Maria Callas qui sont invités à fêter le 50e anniversaire du Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Ils sont peut-être d'ailleurs à ce moment-là au firmament de leur art. En tout cas, ils enchaînent avec un sens du lyrisme exceptionnel des airs de Puccini. On écoute après cet air de la Bohème un air extrait de Madame Butterfly. En 1963, Maria Callas est déjà un mythe et Georges Prêtre un chef courtisé par les orchestres, par les chanteurs, par les chanteuses aussi. Ici, vous écoutez France Musique, 19h32, c'est un concert inédit, encore je vous le disais tout à l'heure, qui va toucher à sa fin, vous l'entendez, le public est absolument en délire, il reste un bis que Maria Callas et Georges Prêtre vont choisir avec soin. Je vous laisse la surprise tout à l'heure, donc de le découvrir. En tout cas, eh bien, vous rappelez que sur France Musique depuis ce matin, nous rendons hommage au chef tout récemment disparu, c'est-à-dire hier. Il y a eu la matinale déjà avec Saskia Deville. Vous pouvez évidemment réécouter en piste Allegretto, notamment dans Allegretto, les greniers de la mémoire de Karine Le Bail, grenier qui était dédié au chef d'orchestre et entièrement rediffusé
diffusée à 11h ce matin et on y apprend plein de choses, on y entend des tas d'archives et c'est vraiment eh bien, un moment tout spécial qu'il faut profiter d'avoir sur le site accessible de francemusique.fr. Il y avait également le Carrefour de l'Odéon et puis vous dire que tout à l'heure, il y a Gaël de Gallic qui va vous offrir un nouveau concert. Et puis, à 22h, c'est Lionel Esparza et son Classic Club. Il sera en compagnie de Christian Merlin et du percussionniste Emmanuel Kurt, qui tous deux ont bien connu le chef d'orchestre. En bis, Maria Callas interprète un extrait de Yannis Kiki de Puccini, « O mio bambino caro ».